Une des dernières vraies races mixtes, hein. une vache qui est capable d'offrir à ses éleveurs performance laitière. Alors on avait deux vaches présentes, donc deux jeunes vaches en première lactation. Et la plus jeune des deux a fait deuxième de sa catégorie et l'autre a fait quatrième. On est assez content, on n'avait pas pensé faire d'aussi bons résultats, donc on est content de ce qu'on a réussi à faire. Super ambiance, on voit que tout le monde avait besoin de revenir, il y a eu une année manquante. Et tout le monde était content de se retrouver, tout le monde était content de pouvoir préparer ses vaches, tout le monde a fait l'effort de préparer encore mieux que d'habitude ses vaches et ça s'est vraiment ressenti au niveau de l'ambiance, de la qualité, tout était réuni pour qu'on passe un super concours. Tout ce qui va être le travail dans les lignes, on a la chance d'avoir une belle grande région dans nos berceaux qui détient les plus beaux vignobles français, le champagne et le vin d'Alsace. Et ben voilà, l'utilisation aujourd'hui, elle se développe également par le travail en ville. C'est un cheval qui est très calme. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure qu'au niveau du sud-book, on travaillait avec la Belgique, le Luxembourg. Et ben voilà. Ça fait la troisième fois qu'on vient au Salon de l'Agriculture, 2019, 2020 et 2022. Même ce qu'on vient rechercher, c'est le contact avec le client. L'ambiance est quand même unique pour le salon, c'est quelque chose qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir. Et puis d'essayer quand même de vendre un peu et puis de profiter de notre beau stand avec tous les collègues. On forme quand même une bonne équipe maintenant, on se connaît assez bien et ça permet d'avoir une cohésion et d'aller plus loin ensemble pour faire plaisir. Après, retrouver oui, l'ambiance s'est retrouvée complètement. Je trouve, même encore mieux, parce que l'édition des retrouvailles, c'est vraiment le cas, parce qu'on est content de se retrouver et de refaire comme avant, sans les masques, c'est encore mieux. Belle affluence quand même, ouais. Ça a surpris pour le mardi aujourd'hui, c'est quand même impressionnant, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, plus que les années passées. C'est fabuleux, il faut continuer, c'est extra, merci à eux d'ailleurs, merci au conseil, c'est quelque chose qu'on aurait jamais pu faire sans eux. C'était une belle surprise, inattendue, parce que je ne savais pas, du coup, que j'avais été présentée en candidature et c'est une belle valorisation du travail effectué jusqu'à maintenant.